Et bonjour à tous et à tous, c'est Fabien, j'espère que vous êtes tous bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur WWE Spokane, spécial Halloween. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de à la recherche de la carte citrouille. J'en ai déjà un depuis hier soir, mais là il faudrait encore d'autres cartes citrouilles. Des citrouilles ultimes ou Soit 33 ou Soit 77, on ne sait pas, on va voir. Et là, on va vraiment partir à la recherche des citrouilles, c'est sûr. Hop, on va faire au moins 30 minutes de vidéo, ce sera déjà bien. Alors. Bon, je rappelle que l'événement, les citrouilles durent jusqu'au 31 octobre 2017. Et que. Vous pourrez l'avoir en récompense TBG, en récompense King of the Ring, seulement. Et aussi, vous pourrez l'avoir en Money in the Bank, mais ça c'est. On va faire un petit peu. Ouais, on va faire Money in the Bank. Je vais vous montrer. On peut avoir aussi en Money in the Bank. Hop. C'est parti. Ah voilà, regardez, c'est ici là. Vous pouvez voir en plus en pro. Hein. Ça c'est en Summer 57 Pro et ça c'est en. Ouais, j'ai fait un distinguo en fait. En puissance et vitesse en être Apollo Crews contre. Ouais, contre Kalisto. Parfait, Standing Moonsault. Ensuite, là aussi. Donc là, ils ont des stats complètement ouf. Hein. 8, 2, 4, 3. C'est bizarre, hein? Vraiment bizarre, bizarre. Alors, Robuka. Je sais pas qui on va mettre. Puissance. Contre toi. Ah, forcément. Je me suis fait avoir. Merci, Godust. Vous voulez affronter des cartes de citrouille en Money in the Bank, tout simplement. Donc, puissance K, vitesse K. Rob K, ouais. Autant faire ça, je pense. Ce sera mieux, je pense. Ouais. Autant faire ça. On va faire un plus 4, c'est pas grave. C'est pour éviter de faire des erreurs. Et ensuite, Rob Vitesse, puis Rob. Bah, ça peut aller là, non? Ouais, ça peut aller. Ouais, je gagne normalement, ouais. Super, bien joué, Nevol. Hop, on va mettre Big Show pour la victoire. C'est parfait. On va aller faire nos 52 pioches de draft pour commencer. Hop. Plus 48. On rappelle qu'il ne reste plus qu'un jour et 9 heures avant les nouvelles récompenses en. Non, un jour et 6 heures. Avant les nouvelles récompenses en Money in the Bank. On me dit fou parce que. Bon, moi je fais pas les Money in the Bank. Hein, parce que ça dure trop longtemps. Je l'ai déjà fait une fois, mais je vais pas refaire la deuxième fois parce que ça fait. C'est trop long. C'est beaucoup trop lent pour moi, donc voilà. Alors, vitesse charisme. Vitesse charisme. Ah, tiens. Sami Zayn. On va mettre Sami Zayn sur la 5007. Hop. Elle va kick. Voilà, tout simplement. Alors, ok, ça c'est bon. Ensuite, puissance robe.
Ouh, ça va être chaud là. Autant mettre. Autant mettre Triple H contre Sami Zayn, il sera déjà bien, je pense. Pour ne pas faire d'erreur. Parce que si jamais je fais une erreur, ben voilà. Ok, puissance K. Vitesse K. Alors, là, je vais mettre. Ouais, on va mettre Bobby Roode. En espérant que ça marche. Ouais, parfait, ça marche. Voilà, c'est bon, on gagne. Bien joué, Bobby. Puissance K, parfait. Maintenant, puissance du Rob. Rob vitesse. Je fais quoi? Bon, on va mettre Cena et d'autres Cena. Hop, pas grave. Et c'était quoi? C'était Pyro? Bah, c'est Pyro, c'est même si je pensais. Ouh, je sais pas si je vais gagner. Je sais pas si je vais gagner. Non, c'est pas dommage. Dommage, dommage. Bon, c'est pas grave, vous avez qu'un. Bon, ça va être un plus 20, malheureusement. Un 19 plutôt. Bon, c'est pas grave, au moins j'aurais essayé. Alors, maintenant, on va en faire une. C'est parti. Comme ça, après, j'irai chercher les pioches de draft. Pour. On va faire du King. On va faire du Royal Rumble. Ok. En puissance vitesse. On va mettre. Ouh, ça va être chaud là. Ouais, on va mettre ça. J'ai peur, j'ai peur. Ah non, c'est pas. Elle est 16, forcément. Hop, là, je viens de parfait. Alors, ensuite, Robka va aller avec John Cena contre Brian Kendrick. Là, je viens de parfait. Ensuite, Robka puissance vitesse. On va mettre. Allez, on va mettre Bobby Roode. Donc, là, je viens de parfait. Alors, ensuite, vitesse K. Allez, on va mettre celui-là. Ouais, parfait. Encore. Tac. Ouais, ça, c'est bon. Et il s'est mis une film à gagner. Ah, il est en train de dire, Orton. Ouh là là, ça va être chaud. Ouais, je pense que c'est bien dû. Ouais, c'est bien dû. Dommage. J'aurais essayé, mais bon. Pas marché. Bah, 144, c'est pas grave. Et en plus qu'après, on va aller faire du. On va faire le match classé, hein. Ouais, on va faire le match classé après. Parce que j'ai bien envie d'évoluer dans le classement. Ou du Royal Rumble. Non, on va faire du Royal Rumble. Je pense que ce sera bien. Royal Rumble, on va faire les 5. On va faire 5 Royal Rumble match. Hop, 32, 36, et voilà. Ok, donc là, si on a gagné, oui, je pense, je me la rencontre. Alors, ok, donc là, je gagne, je gagne. Je gagne, il perd, je perds, je perds. Ça va, on est déjà à 19 victoires pour 12 défaites, c'est bien ça. Alors, classement. Bon, ça va, je remonte bien, je remonte bien. Je suis bien classé pour le moment. Mon prochain match, je joue contre qui? Ah ouais, là, ça va être chaud. Ça va finir sur 3-2, je pense. Alors, on va faire. Allez, du Royal Rumble. Voilà, comme ça, on va en faire 5. Attendez.
Ouais, ça sera bien. Voilà. Alors, attendez, je vais aussi améliorer ma carte zombie, ma carte Halloween. Ma carte citrouille. Hop. Je vais m'entraîner, c'est parti. Carte générale. Non, attendez. Amélioration. Tac, tac, tac. Monter en charisme. Bon, attends, on va monter en charisme. Bon, ça augmente de 1, mais bon. Ça augmente pas beaucoup, hein. Malheureusement. Pumpkin. Alors, tac. On se fait devenir en mode. Pas en mode sauvage, je veux dire. En brawl en ball. Hop. Sans en faire une, c'est parti. Et là, on lance. Lance. On se passe la mission. Objectif. Avoir. Ben, piocher des pumpkins, simplement. Des pumpkins en ultime. Sur la tombe 3 ou sur la 7, on ne sait pas. On va voir ce que ça va donner. On va mettre Bobby Roode en premier pour commencer. Ok, 15, est-ce que je bats? Eh bien non, c'est mis le bas. De 92 points. Ah, comme, dans 87 points. Ensuite, on va mettre qui? On va mettre Jason Jordan. Et charisme, bah lui là je bats parfait. Ensuite on va être bah, en Yves. D'accord. Il y a une zombie. Oh mon dieu, n'importe quoi. NDR, ils mettent une carte zombie. Une carte. Ah, ça va pas perdre beaucoup en fait. NDR. Qui est Blond Strowman, hop. Alors, vitesse, je vais être enlevé, bah, c'est Go Dust. Ok, Yotimi. Aïe, ah oui, forcément, il y a Rob Vitesse. C'est pas grave, il va mettre Akira Tozawa. Vitesse, je gagne, parfait. Ensuite, on va mettre la puissance pour voir si ça marche. Attention, aïe, Go Dust, est-ce que je gagne? Oui, parfait, c'est bon. Ouf, je tiens de 1151 points, c'est pas mal. Ensuite, John Cena. Ah, là, j'ai pas forcément Sage Styles. Ensuite, on va mettre Sami Zayn. Vitesse, je gagne. Parfait. Ensuite, Charisme. Hop, voilà, parfait. Ensuite, vitesse. Et après, on va mettre Drew McIntyre. Ouais, Drew McIntyre. Allez, puissance, parfait. Tout ce que je voulais. Charisme. Et vitesse, parfait. Voilà, ça fait du 9-0 pour moi, c'est le win. Et voilà, parfait. Alors, tac. 48 pioches, pas mal. 48 pioches. Fais une kid. Ok. Okay. Allez, on veut une pioche citrouille, s'il vous plaît. On veut la citrouille, qui est une vitesse ultra rare. On veut une citrouille, une citrouille, une citrouille, une citrouille. Oh, Kofi Kingston, pourquoi pas? Pourquoi pas, bon. Moi, ça fait entraîner ma carte. Ça fait entraîner ma carte. Pumpkin. Bah, sur la 33, lorsque j'aurai mes cartes au max. Hein, lorsque j'aurai atteint la limite de mes cartes. Oh! Une puissance ultime, c'est pas mal ça. Même si j'aurais avoir une citrouille, mais bon, j'en ai pas eu.
Pour le moment, depuis hier soir. Donc, cette semaine, c'est Rumination en solo. Avec une carte event spéciale zombie, je pense. On va voir ce que ça va donner. Ok, Naomi en ultra rare, Summer en courante, et ce chemin est sans plus courante. Allez, on continue les amis, hop, donc on va en faire une. Hop, c'est reparti. On va être Big Show pour commencer. Qui est mis sur Finn Balor. Est-ce qu'il va avoir aussi une carte zombie? Je ne sais pas, on va voir. Une carte. Ah, bah si. Bah si, si. Il y en a eu. Ok, même carte. Hop. Vitesse. Alors, puissance. Se mise, tac. Est-ce qu'il m'a un peu le cruise, hein? La main forte. Ok, mise sur se mising. Pourquoi pas, moi je vais aussi faire un semi-zing. Donc là, je viens de parfait. Ok, organisme. Ensuite, robustesse. Le crédit en jeu gagne, parfait. Ensuite, ouais, allez, Jason Jordan. Parfait, bien joué, semi-zing. Hop. Ah oui, je ne sais pas dire, j'étais espagnol live. Ah oui. Donc, le meurtre du show, bah. D'ailleurs, Brian est venu célébrer avec le public. Mais parce que c'est la première fois qu'il fait son. Ah, c'est son. Mais c'est son. C'est sa ville. C'est son. Ah, c'est sa ville en fait. C'est son hometown. Ah, sa ville d'où il est né, je pense. Ouais, c'est d'où il est né. Donc, bah voilà, il fait son entrée. Après, il a été interrompu par. Par Sami Zayn et Kevin Owens. Ils ont parlé. Ils ont allé avoir un match par équipe ce soir contre Shinsuke Nakamura et Randy Orton. Dans le main event. Donc après on a eu quoi contre match? Oui, on a 6 Women's Tag Team Match entre Lana Tamina contre Charlotte Becky et Naomi. Donc c'est trio Charlotte, Naomi, Becky Lynch emporté grâce à un figure four leg lock de Charlotte Flair sur Lana qui a tapé. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu comme match? On a eu. Ah oui. On a eu. On a eu Jinder Mahal qui a adressé un message à. Qui a envoyé un message à Brock Lesnar pour avoir un match contre lui. Donc, bah, Brock Lesnar. À Survivor Series. Donc, Brock Lesnar, il va devoir répondre à la demande de Jinder Mahal lundi prochain. Le champion universel contre le champion de l'UE. C'est peut-être officiel, mais on va voir ce que ça va donner lundi prochain lorsque Brock Lesnar va donner sa réponse. Donc, après, qu'est-ce qu'il y a eu comme match? On a eu.
Après, on a eu quoi comme match? On a eu. Qu'est-ce qu'on a eu comme match? Je m'en souviens. Ah, la confrontation dans les vestiaires entre les Usos et Shelton Benjamin et Chad Gable. Bah voilà, il s'est détendu entre les deux. Après, bah, qu'est-ce qu'il y a eu comme match? Il y a eu. Alors, on a eu un. Qu'est-ce qu'on a eu comme match, je pense? Je me souviens plus. Mince, qu'est-ce qu'on a eu comme match? WrestleMania Live. Ah oui, Bobby Roode, contre Dolph Ziggler, donc Dolph Ziggler a gagné le match, bah, la même, bah, avec un tombé surprise, bien entendu, la même que Bobby Roode a fait à Dolph Ziggler à Hell in a Cell, c'est ça? À Hell in a Cell. Donc, bah, voilà. Il a fait, Dolph Ziggler a fait le même tombé que Bobby Roode. Voilà, donc, Dolph Ziggler a remporté le match. Après, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un. Ah oui, il y a Fashion Police avec Poussingo et l'Ascension. Bah, qui sont discutés, tout simplement. Après, dans le match par équipe ce soir, donc, bah, Kevin Owens et Sami Zayn ont battu Randy Orton et Shinsuke Nakamura. Grâce au Leva Kick, en fait, de quand Orton a voulu faire son. La prise favorite, le DDT de la deuxième corde. Bah. Le DDT de la deuxième corde, bah. Sami Zayn a fait un low blow et bah voilà, bah après, bah. Sans que l'arbitre le voit en fait, simplement. Donc il a fait un low blow et l'arbitre n'a pas vu donc. Il a fait son Elva Cake et il a fait remporter match, bah voilà. Tout simplement. Donc victoire de Sami Zayn de Kevin Owens contre Randy Orton et Shinsuke Nakamura. Qui était un petit peu énervé, je pense. Après leur défaite. Ensuite, bah, question, bah, c'est tout, je pense. Il y a tout enfin, live. Donc, Rich Swan a battu, Chad Kala, non, attends, ouais, c'est un match par équipe, je pense, ouais, ça. Non, c'est Rich Swan entre Chad Gallagher. Rich Swan a gagné le match par, disqualification, je pense, ouais. Parce qu'il y avait eu un grosse bagarre en dehors du ring. Et voilà. Après, on a eu quoi comme match? On a eu. Ah oui, donc quand. Je disais que quand. Jinder Mahal. Ah oui, il y a aussi. Baron Corbin. Qui a été battu par Sin Cara. Par des camps d'extérieur. Après, on a eu. AJ Styles qui s'est confronté à Jinder Mahal. Donc, une bagarre entre les deux, simplement. Et voilà, après, bah. Qu'est-ce qu'on a eu? Bah, tout. Après, c'est tout, je pense. Ouais. Après, bah. À tout faire live, bah, Enzo More et Aria Davari ont. Bah, sont Enzo More et s'est bagarré avec Kalisto. Qui devra l'affronter ce samedi, ce dimanche à TSI. Alors, tac, ils vont mettre ça, c'est pas grave. Ensuite, bah, Lucas, il a eu le PowerPoint de Jugulak. Ensuite, bah, Lucas, on a eu, bah. On a eu quoi? Je sais pas, on a eu. Mais quoi il me bat, oh my god! Qu'est-ce qu'on a eu? Qu'est-ce qu'on a eu? Attendez, je m'en souviens. Ah oui, on a eu.
Enzo Morey et Ariane Erwari qui ont été battus par Kalisto et Mustafa Ali dans le main event de Two Fight Live, tout simplement. Après, bah, je pense que c'est tout, hein. Bah, c'est tout. Donc, ce dimanche, à TSI, on aura pas mal de matchs. On aura le suite de PowerPoint de Drew Gulak, ensuite, on aura un match Rich Swann et Cédric Alexander vont faire équipe pour essayer de battre. Pour essayer de battre Jack Gallagher et Brian Kendrick. Ensuite, il y aura un match entre Sasha Banks et Aisha Fox. Et bah, après, bah, on aura un autre match Exabis contre Mickie James, pour titre Women's. Après, on aura Sasha Banks contre Aisha Fox. Emma contre Asuka. Après, on aura quoi comme match? On a quoi comme match? On aura. Aïe, The Shield. Roman Reigns, Seth Rollins, Dean Ambrose contre le team de The Miz. Oh, Sasha Banks en a aussi, pourquoi pas. Ok, donc on va s'en faire encore un autre, c'est parti. Donc, The Shield, Roman Reigns, Seth Rollins, Dean Ambrose contre The Miz, Cesaro, Sheamus, Braun Strowman et Kane dans un 3 versus 5 TLC match, handicap match. Ouais. Donc, ça va être un match extrêmement extrême. Ça va être énorme. Ça m'a rappelé plutôt The Shield versus Evolution. Ou. Ouais, ça va être ça à peu près. Ensuite, bah, qu'est-ce qu'on va voir comme match? Bah, ah oui, The Demon Finn Balor contre Sister Abigail. Voilà, bon, encore un match à suivre, simplement. Ensuite, bah, je pense que ce sera tout, hein. Ouais, je pense que ce sera tout. Bon, bah, voilà. Voilà, c'est surtout pour TSI. Bien sûr, il y aura les résultats le lendemain. Hein, je vais pas vous dire le résultat parce que j'ai pas envie d'être spoilé. Donc c'est pour ça que je reviendrai sur AB1 le lundi, le lendemain. C'est pour ça que je vais éviter quand demain pour essayer de regarder le moins possible sur les réseaux sociaux les résultats de TSI. Juste pour attendre ce soir. La diffusion de TSI sur AB1, c'est à rediff, simplement. Donc c'est pour ça que je vais attendre, simplement. Pour pas être spoilé, comme le font certains, voilà. Et donc on aurait sûrement un Brock Lesnar entre Jinder Mahal à Survivor Series, on aura peut-être, hein. On va voir, on ne sait pas. On attend la confirmation. Tout simplement. Alors, tac, vitesse. Tac, ensuite. Puissance. Ok. Charisme. Voilà. Et robustesse. Voilà. Et enfin Bobby Roode pour terminer. Voilà, victoire 11-0, c'est parfait. Allez, peut-être une pioche citrouille, s'il vous plaît. Une pioche citrouille pour terminer la vidéo. Il va se jouer le dernier match au Royal Rumble, après bah, sur la fin de la vidéo, tout simplement. Une pioche citrouille, une pioche citrouille, une pioche citrouille. Pioche citrouille, s'il te plaît. Pioche citrouille.
Pioche citrouille, s'il te plaît. Pioche citrouille. Pioche citrouille. Pioche citrouille, s'il te plaît. Pioche citrouille. Pioche citrouille. Allez. Ah non. Pas de pioche citrouille. Dommage. Donc, voilà, ça va faire cette vidéo sur WWE. Cette vidéo-là vous aura pu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et de commentaires. Donc, là, je vais entraîner ma Tamina pour qu'il soit au max. Non, pas de la puissance, juste pas des vitesses et tout. Ok, donc il est pas encore max. Carte générale. On va mettre. Non, on va mettre Sasha Banks pour que ça marche. Hop. Ok, bon, c'est pas encore ça. On va aussi mettre Kofi Kingston. Ah, il est presque max. Bon, bah, allez. Pour te faire plaisir, on va te mettre l'amélioration ultime et puis voilà. Voilà. Ça, t'es au max. Voilà. Donc là, on va mettre le charisme. Et voilà. Ça, t'es au max, Tamina. Parfait. Là, j'en ai aussi. Bon, allez. On va se faire. Allez, pour petit bonus, on va se faire un dernier reset. Juste avant que la vidéo se coupe. Hop, c'est parti. Non, puissance vitesse qui vont être sûrement Pumpkin. Bon, c'est pas grave si je suis battu par Brock Lesnar. C'est pas grave. C'est pas grave, on peut être Junkyard Dog. Ouais, bon. J'aurais mieux qu'ils mettent. Bon, c'est pas grave, c'est perdu. Hop! 1, 2, 3. Hop! Pas de reset. Ok, il va mettre Tamina. Voilà, parfait. Ensuite, on va mettre Masque Trouille. Ensuite, tac. Voilà. Hop, c'est pas grave. Allez, on va améliorer nos cartes en King of the Ring. En King of the Ring, on va améliorer nos cartes. Voilà, on va remettre de la vigueur avec de l'énergie. Tout simplement. Hop. Hop. Et voilà, c'est bon. On aura remis l'énergie. C'est parfait, donc maintenant on va faire le dernier reset. Donc 20%, 72%. Ça va, ça va, ça va. Oula. Hop, Tamina. Tac. Parfait. Ensuite, bah, on va continuer à entraîner ma citrouille. Ma citrouille, ouais, on va dire ça, hein. Ma citrouille. Parce que vous savez, comme dans les. Comme de, dans. Vous savez, comme dans Cendrillon, là. Cendrillon, bah, c'est comme ça, en fait. C'est quand, au début, c'est quand tu vas aller au bal avec ton prince charmant, t'as une carrosse, bah, en fait, au début, t'as juste que une citrouille, mais quand, bah. Mais juste quand il y a la fée qui arrive et qui hop un coup de baguette magique et boum ça se transforme en carrosse. Mais là c'est la même chose sur Supercard, donc le 31 octobre bah, va transformer bah, en superstar féminine masculine. Donc on verra ce que ça va donner.
C'est pas grave. Hop, Tamina et Maryse. Hop, on gagne, parfait. Bon, ça fait 2-1 pour lui, malheureusement. Ah bah tiens, ça de ce train, hein. Bon voilà. Si vous avez fait cette vidéo sur Dominimus Poker, cette vidéo là vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, de commentaires et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée et à la prochaine.